suis membre du Harley Owner Group, qui est un club qui appartient à la marque Harley. Et c'est pour ça que je suis très content de l'avoir fait aussi sur cette moto-là, parce que tout s'est bien passé. Et c'était important de le faire pour ça aussi. Tu aimes les motos et on pense aussi que tu roules avec moto. Je roule avec ma moto tous les jours. Et quelle est la différence entre une voiture et une moto? Qu'est-ce qu'il y a dans... Par exemple, tu pourrais venir avec une voiture. Tu as choisi une moto. Pourquoi la moto? La moto, je pense que c'est un sentiment de liberté extraordinaire. On découvre les choses pas de la même façon. On a ce sentiment de liberté. Et Harley Davidson, en plus de ça, ça véhicule vraiment cet esprit, la liberté. C'est au-delà du sentiment, c'est un esprit, c'est un état d'être. Et cette marque-là le fait aussi. Donc c'est pour ça que c'était important. Alors, j'ai fait Marseille, Bologne, Ancône. À Ancône, j'ai pris un bateau, comme mes grands-parents, jusqu'à en Grèce, Igoumitsa. J'ai traversé toute la Grèce. Je suis passé par Thessalonique. Je suis passé par Alexandroupoli. Et puis après, je suis rentré en Turquie, Rodosto, Istanbul, ou je devrais dire Constantinople, Ankara, Samsun. Et puis j'ai continué le long de la mer, Trabzon. J'ai aperçu que tu accompagnais la musique arménienne. C'était la musique du film My League. C'était toujours de l'Yaman, mais il y avait aussi... Et non, j'avais d'autres choses. J'ai beaucoup de musique de Levon Minassian, le joueur de doudouk qui habite à Marseille, qui est un ami. Folklore. Voilà. Et puis aussi de Ara Gevorgian, qui est aussi un ami. Et j'ai écouté toutes ces musiques sur le chemin. Quelle est ta parole aux téléspectateurs et qui, j'espère, qui vont te regarder avec une grande admiration et avec une grande émotion? Je crois que quand on a envie de faire quelque chose, il faut écouter personne et il faut le faire. Si on l'a dans son cœur, c'est forcément juste. Et si on l'a dans son cœur, on ira forcément jusqu'au bout. Et je pense que c'est ça qui est important.